Allez, salut tout le monde, c'est Taz Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 317, les amis, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure, la carte à explorer, dans lequel nous avons fait cette case-là. Souvenez-vous, avec le Ruto, on avait gagné son réceptacle de cœur, donc c'était une bataille alléante très facile, hein, tout simplement, et on avait débloqué du coup cette case-là qui va permettre tout simplement de débloquer déjà au-dessus des choses avec très surprenant, même très cool. Beaucoup de trésors en termes de réceptacles de cœur et tout ça, et de fragments de cœur et de scutula. Et ensuite, même en plus en victoire de rang à un matériau ultra rare. Et en plus de ça, on va pouvoir débloquer l'accès au cimetière, les amis, parce qu'on n'y est jamais été et ce serait bien de faire ça. Notre objectif était d'aller au moins jusqu'à là pour débloquer ces trois là. Ça serait bien, honnêtement. Donc aujourd'hui, on va quand même faire cette case là parce qu'on n'a pas le choix. Hein, parce que pour débloquer ça, il faut faire ça, malheureusement. Ou sinon, aller là, mais du coup, c'est long parce qu'il faut faire ça, et après, à partir de là, ça débloque l'accès au cimetière. Donc, du coup, on va pouvoir tout simplement aujourd'hui aller ici dans lequel vous avez vu que. Nous avons en victoire de rang A un réceptacle de cœur avec Tingle. Donc, écoutez, on doit éliminer 600 ennemis dans le temps imparti. Alors, c'est des gibes de Wardent et on a Midona en face. Alors, avec Tingle, ça peut être difficile parce qu'il n'est pas non plus très fortiche. Hein. C'est même, je crois, le plus rabataire de tout ce jeu. Donc, c'est pour ça que ça va être un poil plus difficile. Mais normalement, on devrait s'en sortir, hein, je dis bien on devrait s'en sortir. Bon, attaque forte 4, c'est bien. Au moins, il aura plus d'attaque sur son attaque forte 4, sur son quatrième attaque en termes d'attaque forte. Et là, pourquoi pas utiliser Midona, hein, écoutez, qu'on va un petit peu pimper. Voilà, expérience plus. Et puis, c'est parti, écoutez. C'est parti, alors, on va avoir en face, du coup, Midona et des Gibdo Ardent. Donc, il faut éliminer 600 ennemis le plus vite possible, hein, évidemment, sans subir trop de dégâts. On devrait s'en sortir, logiquement. Mais bon, ça, bien, ça nous permet également de nous entraîner avec Tingle, parce que Tingle, ça fait longtemps. Et on est toujours dans les terres du crépuscule, décidément. C'est un rendez-vous, j'ai l'impression. Rendez-vous en terre inconnue. Midona. Ah, directement, ok. Et Gibdo. Ah, ben, d'accord, j'imagine qu'il faudra peut-être éliminer Midona pour faire apparaître d'autres ennemis. D'où le temps limité à 20 minutes, à mon avis, parce que 20 minutes, c'est quand même un peu trop, je trouve. Mais bon. Et donc, du coup, c'est parti. Midona représente une menace, débarrassez-en vous immédiatement. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. C'est ce qu'on va faire. Et du coup, c'est parti. Tac, tac, tac. Voilà. Et bah, tac. Hop. Et boum. Voilà. Allez, attaque forte 4, on le voit, hein. Tac, tac. Attention. Tac. Bon bah ça va être assez easy, hein. On est déjà à 80 100 ennemis. Oh. Ah, mandala. Mandala qui pop. Ah. Bon bah mandala, hein. Mandala. Que voulez-vous? Mandala, plante tentaculaire vénéneuse. Ah oui, parce qu'on a eu 100 ennemis. On a battu 100 ennemis. Par contre, du coup, on va vite s'équiper pour elle, hein. Tac. Et boum 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 boum. Voilà. Tac. Ok. Et slash, c'est bon. On va pouvoir la défoncer. Alors par contre, j'attends la mandala derrière moi. Voilà, déjà, ça c'est fait. Allez, viens, s'il te plaît. Merci. Hop. Boum. Oh oui, putain. On la déglingue. Bon, à mon avis, on l'a bien augmenté, non? En termes de base, alors lui. Hein. Ok, d'accord. On va vraiment le déglingue. Ok. Merde. Non, je voulais pas utiliser ça. Bah, j'ai fait l'erreur, c'est pas grave, on s'en fout. Mais bon, maintenant on va tenter d'avancer déjà, d'aller là, par exemple, d'éliminer des ennemis, parce que là on est à 18 minutes quand même. Il nous manque 500 ennemis. Tac. Boum. Oh. Attention.
Ok. Et bon bah, toi c'est fait. Et voilà. Tac, tac, tac. Merci. Donc nous avons des petits matériaux, enfin des petites armes. Et donc du coup, on a 200 ennemis, donc il nous manque plus qu'à 400 ennemis à battre. Ça va aller vite, hein. Ah, il y a Agita. Il y a Agita avec nous. Et Mandala qui est en train de défoncer Midna, donc on va vite calmer les ardeurs, je vous le dis. Ok. À votre avis... Ah, dommage. En fait, Midna, là, elle est en forme, là. Ah merde, attendez, mais quel con. J'utilise le mauvais truc. Allez, go. Donc attention, on va attendre. Maintenant, 1, 2, 3, 4, et c'est parti. En plus, on a attaque forte 4, donc ça nous aide énormément. Et à mon avis, Mandala est terminé. Hein. Parfait, Mandala est fini. À mon avis, là, c'est la fin pour elle. Hein. Oh, même pas. Aïe. Attention, oula, attention. Merci. Bon voilà, on a vécu Mandala quand même. On est à 250 ennemis. Oh, il y a Agita. Tac. Merci. C'est bon là? Bon. Maintenant, on va tenter d'éliminer le reste des ennemis. Parce qu'il nous en manque quand même beaucoup, hein. Il nous en manque quand même beaucoup, donc... on est à 15 minutes bientôt, donc faudrait quand même se dépêcher un petit peu. Voilà. On est bientôt à 23. Voilà, on est à 300 ennemis. Voilà, il y a une autre mandala qui est apparue. Catastropha. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même se débrouiller rapidement. Hop, et c'est parti. Boum, 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 boum. Et slash. Voilà, 350. Merci. Alors. Ok. C'est bien, ça fait en même temps un petit peu d'XP. Merci. Tac. Voilà, 400. Lana. Ok. Et il nous en manque plus que 200. Il nous en manque plus que 200. Bon, c'est un point positif parce que si on veut farmer comment ça s'appelle, des personnages ici, on peut. Tiens, par contre, elle encourage et je suis pas très fan. Allez. Boum, 443. Ok. C'est parti. Tac. C'est vraiment l'attaque la plus efficace, surtout qu'on a attaque forte 4, donc c'est parfait. Attention. On a combien en termes de dégâts? 15, ça va, ça va, ça va le faire. Ça va le faire les amis parce que on est bientôt fini. Même on va peut-être pouvoir passer niveau 32, écoutez. Tant mieux. Boum. 105 ennemis. Voilà, et ok. Yes, niveau 32. Nous avons d'autres gibdos qui sont apparus, hein. Merci, boum. Et c'est parti, on va aller ce côté, à mon avis on va pouvoir le terminer. Tac. Boum. Voilà. Quand même un petit peu l'amocher parce que là le problème c'est que ça va être un petit peu problématique. Alors on est bientôt à 600 ennemis. Hein. On y est bientôt. Hop. Merci. Bon. Là, on va se dépêcher un peu parce que je vois l'heure tourner. Et à mon avis, là, c'est bon, on a tout le monde. À peu près. Ah, il nous en manque plus beaucoup. Hein. C'est bon, là, on a tout le monde. Et voilà. On a éliminé les 600 ennemis. Et à mon avis, du coup, on a la petite récompense. On a le petit réceptacle de cœur, ce serait bien.
Ça serait bien, honnêtement. Par contre, avoir l'attaque forte 4 sur, sur cette arme, c'est juste génial. Et le réceptacle de cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Bon, ben, épisode 317, achevé. Tant mieux. Alors oui, j'aurais pu peut-être défoncer même l'Anna, même la Mandala, Agatha. Oui, c'est vrai, mais peut-être quand on fera les épisodes farming, je profiterai, je prendrai Link et on défoncera tout le monde. Tout simplement. Mais parce qu'on s'emmerde pas sur l'épisode farming, sachant qu'à mon avis, on va pas tarder à en avoir besoin parce qu'on a bientôt plus de boussole. Donc, à mon avis, on va pas tarder à devoir aller jeter un petit coup d'œil sur les épisodes, enfin, sur les cartes d'objets déjà disponibles sur la carte. Alors, du coup. Le grand cristal, alors ballon pétale de rose, 96 de dégâts, attaque force 5, sabre de l'usurpateur, 88 de dégâts, attaque force 6, Naginata, du gardien, 112 de dégâts, slot vide, et voile rapide, 180 de dégâts, les mains haut, 2000 ennemis requis et 1000 ennemis requis. Pour humain de l'aide, Jibdo, Arnan, bon c'est pas fou, mais... Et du coup, on débloque deux nouvelles choses, et donc vous avez obtenu un grand cristal, donc la carte d'objet grand cristal. On ira tout simplement ici, donc dans l'épisode prochain, dans l'épisode 318, les amis. Donc soyez au rendez-vous parce que ici, on va tout simplement tenter d'obtenir le réceptacle du cœur avec Linkle. Ça fait putain très longtemps qu'on l'a pas utilisé elle aussi, donc ça va me faire du bien. Et non, du coup, on va tenter d'avoir ça. En même temps, ça permettra d'avoir la petite carte d'objet et tout ça, donc c'est assez sympathique. Et on va également, du coup, ça va permettre tout simplement de débloquer au moins l'intégralité du... Enfin, presque l'intégralité du cimetière, donc c'est bien. Tant mieux, ça permettra tout simplement d'achever un petit peu ce côté. Mais voilà, après, au cas où, une fois qu'on aura fait ça, notre objectif quand même sera aller ici parce qu'on veut faire les Scutuladors et j'aimerais bien un petit peu avancer sur les Scutuladors. Donc c'est pour ça que ça, honnêtement, j'aimerais bien au moins un petit peu avancer correctement. Et donc vraiment merci de m'avoir suivi donc du coup pour cet épisode déjà numéro 317 et on se retrouve donc très rapidement pour l'épisode 318 dans lequel nous ferons cette case là. Donc d'ici là portez-vous bien, ciao tout le monde, hey.